La cascade. Les étrangers se lèvent tout droit de bonne heure et quittent l'auberge, ficelés et raides sous le harnais. D'un pas de conquérant, ils marchent droit à la cascade. On l'a reconnue hier soir. On va la mettre dans l'album, à côté du pont des fées, du tilleul géant, de la roche au corbeau et de la pierre de Charlemagne. Oui, c'est irrévocablement le tour de la cascade. Le père s'arrête et fait un signe. Le fils, qui portait le pliant, l'installe d'aplomb. Et il ouvre l'ombrelle blanche qu'il tiendra toute la séance sur la tête de sa sœur. Et la jeune fille est déjà prête. Elle attend les ordres de son père. Debout, l'œil clair, il étudie rapidement le site pittoresque. Puis, du doigt, d'un geste vif, il touche çà et là le feuillet d'album dirigé par le bref. Ici un rocher, à gauche une racine, pan, l'écume plus à droite, un peu de ciel au coin. Ainsi il transmet en détail le paysage à sa fille. Elle se dépêche, elle veut suivre, et les genoux serrés, courbés invisibles sous l'ombrelle de son frère qui ne remue pas, elle reprend de la couleur avec frénésie, comme on pique une plume dans un encrier sec. Elle peint, sans regarder.